Bonjour à toute l'équipe de mon topic. Hier, j'ai resté à peu près 3 heures pour savoir comment faire fonctionner justement les moteurs avant, parce que bon, j'avais mes moteurs arrière qui montaient et j'avais un souci du côté droit, ça claquait. J'ai un peu compris le système, j'ai pas du tout de jeu comme Bernard me le disait. J'ai aucun jeu parce que j'ai tout redémonté, pas le devant quoi. J'ai tout remonté et là je vais vous faire voir l'ensemble des moteurs que j'ai réparés et je crois savoir pourquoi ça descend devant et puis ça monte derrière. Donc je vais vous montrer ça tranquillement. Je vais essayer de vous faire voir au mieux tout ce qui est le circuit électronique. Après je vous ferai voir un plan d'ensemble avec justement les suspensions qui fonctionnent en haut et en bas et dont je suis très content parce que hier j'ai passé 3 heures là-dessus et ça commençait un peu à me gaver. Je vais vous faire voir ça. Donc c'est parti. Donc je m'approche et je vous montre que je fasse pas de bêtises. Si on arrive à voir ici. Alors, on ne voit pas parce que j'arrive pas à avoir ma prise macro. Si vous voulez, ici, j'ai les deux moteurs. Il ne faut pas les mettre du sens. Il faut les retourner justement. Mettre les polarités inversées. Donc, j'ai testé ça et j'ai vu que le côté avant montait comme le côté arrière. Donc là, de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai tout refait au Chatterton. Les moteurs, je les ai pas inversés du tout. On m'avait dit d'inverser les moteurs, mais enfin ça m'a rien fait du tout parce que ça revient au même problème en somme. Donc voilà, j'ai fait ça. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais vous montrer justement la position quand elle se lève et puis quand elle se baisse. Donc, et je vous montre ça. Alors, on va reculer pour que vous ayez un plan d'ensemble. Ça monte. Et ça descend. Donc je le refais encore une fois. Ça monte. Et ça descend. Nickel. Donc voilà, je suis assez content parce que ça commençait à me prendre la tête, quoi. Hier, j'arrivais pas à comprendre pourquoi mes deux roues derrière montaient nickel et puis le devant ça marchait pas et j'avais le côté droit qui claquait donc j'ai dû tout enlever et j'ai refait mes connexions une par une et là je peux m'estimer quand même content parce que c'est vrai que bon on a quand même une maquette qui est relativement bien représentée et si on n'arrive pas à voir justement le fameux système hydropneumatique représenté par les quatre moteurs c'est un peu bête. Donc voilà les copains, je suis très content de ça. Et puis s'il y a un petit problème que vous ayez, je peux vous répondre sur le topic comme je fais d'habitude. Donc voilà, je vous remercie, un bon week-end à tous et bye, bientôt sur le topic. Ciao!